un tout petit peu parce qu'il y avait une préoccupation qui avait été bien notée dans le cahier des charges par le comité de pilotage, justement, au cours des réflexions. C'était donner aussi la possibilité, une priorité aussi pour les personnes âgées et pour les jeunes. Hein, parce que ça, c'est un peu une réponse à, aux personnes qui disent, ben oui, pourquoi pas faire un jardin, c'est vrai, hein, ou un grand parc, ou un cimetière, bon ça c'est un peu moins gai. Mais bah, il y a une demande, hein, il y a des demandes considérables sur Aulnay-sous-Bois. Et ce qui est dommage, c'est qu'il y a des jeunes qui pourraient se loger sur Aulnay-sous-Bois mais qui ne trouvent pas, des personnes âgées qui voudraient peut-être passer dans un type logement et qui ont un pavillon, qui voudraient bien vendre le pavillon parce que bon, ça devient difficile. Et donc il n'y a pas cette possibilité. Et ça, c'est justement une possibilité dans un quartier, dans leur quartier, hein, sans aller bien, bien loin, une possibilité offerte. Donc on y a pensé, hein, je pense que les architectes, justement, dans l'aménagement, y aura des appartements pour personnes seules, personnes âgées seules, ou jeunes. Donc bon, ça peut être quand même sympa. Limiter aussi le nombre de voitures de ce fait, hein, quand même. Aussi.